En fait, l'activité principale de la ferme, c'est la cueillette en libre-service, qui a démarré en 1977. Ça n'existait pas du tout en Île-de-France. Et quand mon mari est sorti de ses études d'agro, il a décidé de vendre directement aux consommateurs. Et voilà, maintenant, au bout de 32 ans de longue histoire à la ferme du logis, les clients peuvent se servir du mois de mai jusqu'au mois de novembre de tout ce qui peut pousser en Île-de-France. On a démarré une petite unité de fabrication à la ferme à partir de fruits. Donc on fabrique des sorbets purs fruits, des confitures et des pâtes de fruits purs fruits qui ont beaucoup beaucoup de succès. Donc c'est la récompense après la cueillette. Tout le monde repart avec son cornet de sorbet. Et on en vend aussi à déguster à la maison, en litre ou en demi-litre. Et depuis un an, on a le plaisir d'avoir la présence de notre fils Benjamin à la ferme. Je pense que c'est lui qui peut vous parler de ce qu'il fait à la ferme. Voilà, donc à la suite de mes études, 33 ans après les premières cueillettes de pommes, je me suis lancé moi-même dans l'aventure familiale avec la création d'un élevage de volailles qui a pour but de valoriser les céréales produites sur l'exploitation en aliments et enrichir les terres de la cueillette avec des matières organiques produites sur place et boucler la boucle en fait de la ferme. Depuis 2 ans, on organise donc des marchés fermiers avec des producteurs locaux et bah, vous voyez, ça a un succès fou et ça fait vivre toute l'activité locale. Et ça montre, ça redonne aux gens le goût du vrai, quoi. Ils ont contact directement avec les producteurs et c'est le bonheur à la ferme du logis. En tant qu'agriculteur, on occupe une place très importante dans la plaine de Versailles et tant au niveau vraiment agricole comme nous, une cueillette où les gens viennent directement chez le producteur cueillir des vrais légumes, tant au niveau loisirs, il y a énormément de loisirs verts dans la plaine de Versailles. Finalement, on occupe une place très importante qui certainement va inciter tous les acteurs à conserver ce tourisme vert, ces endroits où les gens se ressourcent, tout ce qu'on apporte aux citadins de la plaine de Versailles. On leur apporte du vrai, c'est pas falsifié, c'est la vérité. Ils sont tout près de la nature et ça va éviter l'implantation d'industries qui pourraient venir gâcher tout ce qu'on a dans notre merveilleuse plaine de Versailles. La plaine de Versailles, c'est la bouffée d'oxygène à proximité de Paris.